Mais déclaration. Déclarer, c'est posséder. Déclarer, c'est vaincre. Déclarer, c'est jouir. Je crois que Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il accomplira. Ce qu'il m'a dit, vraiment, à moi, il va l'accomplir. Et souvent, quand il décide de parler à un homme, à une femme, il le fait en secret, sans qu'il n'y ait personne. On est seul. Il m'a dit des choses alors que j'étais seul. Personne ne pourra prouver ni désapprouver. J'étais seul à recevoir cette parole si réconfortante. C'est pourquoi je déclare comme Paul, alors qu'il est parmi les prisonniers de Paul, alors qu'il est parmi les prisonniers dans un bateau ballotté dans Actes 20, comme il m'a été dit. Mon Dieu ne ment pas. Je déclare que tout ce qu'il a dit sur ma destinée va se réaliser. Ni les flots de la maladie, ni les flots des paroles contradictoires des hommes, ni aucune tempête, le vent impétueux qui souffle contre la barque de ma famille, qui souffle contre la barque de mes affaires, qui souffle contre la barque de mes projets, qui souffle contre la barque de mon couple. Oui, je déclare que aucun de ces flots, les flots qui entrent dans la barque de mes proches pour me déstabiliser, aucun de ces flots ne peut empêcher Dieu d'agir dans ma vie. Je déclare qu'aucune de ces choses, oui, que je viens de citer, va m'empêcher de voir la réalisation du plan de Dieu dans ma vie. Oui, comme Paul, j'ai cette confiance, même si les vagues frappent encore fortement, même si je ne vois pas encore le rivage, même si ce qu'il a dit semble être le contraire de ce que je vois, je déclare qu'il en sera comme il m'a été dit. Même si autour de moi c'est le chaos, aucun secours n'est envisageable, même si c'est la nuit la plus totale où tout est contre moi, je continue à déclarer qu'il va agir en ma faveur. Je déclare qu'aucun danger selon les hommes devant ne s'opposera à la parole que Dieu m'a dit. Je déclare qu'aucun naufrage ne me tuera, car la mer qui produit les vagues et qui crée le naufrage qui tue ne me tuera pas. Je ne regarde pas les paroles des hommes, je ne considère pas les paroles des hommes autour de moi, ni leur réaction ou attitude envers moi. Moi, je garde plutôt ce que Dieu a dit. Ce que Dieu m'a dit, c'est ce qu'il va s'accomplir. Je déclare que ma confiance n'est pas basée sur les paroles des hommes, ni sur une quelconque promesse d'un homme qui peut changer demain. Ma confiance est basée sur ce que mes yeux, ma confiance n'est pas basée sur ce que mes yeux voient ou ce que mes oreilles entendent. Ma confiance est basée sur la parole que mon Dieu m'a dit. La parole que l'auteur de ma destinée m'a dite, il ne peut mentir. Je déclare que cette confiance, je veux l'exposer, la manifester devant les hommes et les femmes qui m'entourent, comme Paul l'a fait. Il se levait, il a déclaré. Je déclare que je veux dire à tout celui qui veut m'entendre qu'il en sera comme il m'a été dit. Je déclare que je ne cacherai pas ma foi en ce Dieu que je sers et à qui j'appartiens. Il faut que tout le monde le sache, qu'il est celui qui est fidèle à sa parole. Oui, ma foi est ferme, ma confiance est ferme en ce Dieu qui ne ment pas. Ma confiance est ferme en ce Créateur de toutes choses, celui qui connaît, celui qui m'a pris de loin, celui qui continue à cheminer avec moi, celui qui va m'amener à la destination. Oui, je déclare qu'il restera à mes côtés et ma foi ne chancelera jamais.